mangiate dalla maison, no? Il deuxième geste, quand nous allons plus bas, si nous avons l'espace, ok, vous prenez la bouteille, celle qui est là, et donc nous, on va essayer d'avoir un peu de temps, bien inspiré. Donc, j'espère qu'on s'est compris. De cette manière, nous sommes là dans la lutte contre la consommation. Alors, maintenant, les bouteilles, parce que on ne peut pas se dire écologiste si on n'a pas un réel impact environnemental. L'œuvre que nous allons faire, okay, doit avoir un réel impact sur l'environnement. Si on n'est pas capable de mettre tout ça dans l'œuvre là, on a utilisé combien de poubelles? 2 ans. Plus c'est là, je crois que c'est 3 ou 4. Vous voyez, si on peut mettre ça dans une œuvre d'art, comment on aura assez de utiliser les bouteilles? Ça vous voit. Donc, pour avoir un réel impact sur l'environnement, il faut que nos œuvres d'art, que dans nos œuvres d'art, on utilise un maximum de bouteilles. À la deuxième ligne, il va les couper comme ça. Ok? On va obtenir ça. Cette partie, on ne va pas la jeter, on va la garder. Ça, c'est le deuxième. C'est pour vous que je dis. Donc, le deuxième coup. J'utilise pour renforcer une idée.
Le plastique que nous utilisons, la bouteille ici, à la fois, je considère que c'est comme un oxymore. Ça veut dire, le plastique, c'est un emballage, mais à la fois qui dérange. C'est important, mais à la fois qui dérange. Ok? Donc on est devant une situation, ah, plastique, oh yo, ah, tout l'ennemi. Plastique un peu sa mallette, mais à la fois aussi, il est utile. Donc une sorte de contradiction. Mais, en fait, j'utilise l'oxymore pour renforcer mon idée, pour dire, oui, ça dérange, oui, c'est important. Ça vous va? Ça va? Alors, l'œuvre d'art qu'on va essayer de faire, c'est d'abord habiller la structure, et puis après, et on va appeler ça aussi. On est d'accord? Et alors, pour le montage, je veux vraiment que l'on participe. Vous avez eu des cours d'anatomie, vous savez ce que c'est. Vous êtes de loin parce que quand on travaille une œuvre qui a cette dimension, il faut un certain recul pour voir. Vous, vous avez ce recul suffisamment et vous participez, vous dites ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça va? Je m'appelle Jean-Alain Massela Zuzimanzao. Je suis designer de formation et par un heureux concours de circonstances, je suis devenu sculpteur écologiste.
Alors, dans le domaine qui est l'écologie, je travaille des bouteilles en plastique, des bouteilles d'eau en plastique, et je suis dans le recyclage. Alors, c'est comme ça que j'ai été invité à cette occasion des festivités de Mingui afin d'assurer un atelier de sculpture avec une dizaine d'étudiants. Ça a commencé hier et on termine aujourd'hui. Et pour ça, on est en train de monter une œuvre qui s'appelle Oxymore et on compte la terminer aujourd'hui. Alors, nous sommes heureux d'avoir participé à cet événement car l'échange avec les étudiants a été impressionnant car ils ont beaucoup de talent et l'avenir, à mon avis, qui leur est réservé, glorieux, parce qu'ils ont vite compris ce qu'ils devaient faire et ils ont permis que l'on réalise l'œuvre qu'on va vous présenter tantôt. Oxymore, parce que, en fait, d'abord lui-même, le terme oxymore, le mot, il veut dire une chose et à la fois son contraire. Donc, c'est des mots comme calme bruyant, un soleil obscur. En fait, c'est deux mots différents qui disent qu'ils sont totalement opposés, mais que l'on utilise dans une phrase pour renforcer une idée. On peut dire un silence bruyant. Normalement, c'est le silence, c'est une chose. Le bruit, c'est une chose. Mais c'est utilisé dans une phrase pour pouvoir... Alors, l'oxymore s'applique aussi, à mon avis, dans le plastique. Parce que le plastique lui-même, il est très bon, il est utile. Il sert pour faire des emballages. Mais à la fois, il dérange et ça devient un problème planétaire. Donc, quel oxymore pour ce matériau qui... à la fois sert et tout le monde l'utilise, mais à la fois aussi ce même matériau est porteur de beaucoup de problèmes et de difficultés. Et des fois même de mort, parce qu'il a été découvert récemment que tous les liquides qui sont mis dans les bouteilles en plastique finissent par avoir des fines particules de plastique. Et quand nous buvons ce liquide, ce contenu, évidemment, donc, on a du plastique dans le corps. Donc, quel oxymore ? Alors, le problème du plastique, aujourd'hui, il n'est plus à démontrer. Dans nos villes, on sait tous que le plastique cause des problèmes, débordements de rivières. Le plastique va jusque à l'océan, justement parce que il y a une mauvaise gestion des déchets. Et à cette occasion, nous, on reprend ces déchets pour en faire des œuvres d'art. Encore une fois, quel oxymore. En arrivant, on a fait une démonstration des gestes éco-responsables. On a montré comment il fallait se comporter avec le plastique. Donc, le plus simple était de jeter les bouteilles en plastique dans les poubelles qui sont prévues pour ça. Sinon, c'est de les froisser et de les jeter dans les mêmes poubelles. Elles occupent moins de place. Et pour finir, c'est de les réutiliser, en faire autre chose. Alors, parmi l'exploitation, la manière de réutiliser les bouteilles, nous, on a choisi l'art. Et on en fait des œuvres d'art. Il y en a d'autres qui en font des pavés, des bancs, un tas de choses. Mais nous, on en fait des œuvres d'art.
Oui, mon mot de la fin est qu'on est engagé dans la lutte contre. On est engagé dans la lutte contre les déchets plastiques, la pollution plastique, et on compte davantage sensibiliser les gens en leur disant qu'il faut arrêter tout de suite de se comporter comme on le faisait, jeter les bouteilles dans partout et n'importe où, parce que ça a une conséquence terrible sur l'environnement et on est tous affectés, concernés par ce grand fléau qui est la pollution plastique. Merci et bonne journée. Sculpteur. Par rapport au festival, je suis animateur, panéliste, donc j'anime l'atelier sculpture fondue, plastique fondue. Voilà. Bon, aujourd'hui, on était dans la discussion, l'interaction des idées, on partageait avec les étudiants sur la création, comment on peut partir d'un sujet, un thématique et faire sortir la forme esthétique. On a discuté sur ça et puis on a trouvé une idée qu'on va exploiter, on va le rendre en plastique. Bon, en fait, comme on travaille sur le matériau plastique, disons en matière plastique, je me disais déjà, moi je travaille déjà là-dessus, ça fait des années, mais je ne croyais pas que les étudiants aussi, il y a une génération qui est là, qui pense aussi à l'écologie ou à l'environnement. Ou à la pollution. En discutant, j'ai appris beaucoup de choses d'eux, parce que chacun avait sa vision des choses, sa vision par rapport à la pollution, sa vision par rapport à l'environnement, sa vision par rapport à la gestion des déchets plastiques, sa vision du monde en fait, du futur, de comment gérer, disons, les déchets plastiques. Donc, et c'est avec l'échange. J'ai pu découvrir en fait la vision de chaque étudiant. Dans la discussion, je disais déjà, on ne peut pas arrêter en fait la pollution de plastique, des matières plastiques sur l'environnement. Donc c'est déjà un combat perdu d'avance. Ok. Mais ce qu'on peut faire, mais comment gérer en fait la gestion de ces matériaux ou des matières plastiques? Comment gérer ça? Voilà. Parce que c'est déjà dans notre société, ça nous aide déjà, mais parce que dans 70 ou 80% de la société, nous utilisons des matières plastiques. Alors, est-ce qu'on doit abolir ou dire qu'il faut fermer des sociétés qui produisent des matières plastiques ou des bouteilles ou des chaises plastiques? Non, je ne pense pas, parce que ça contribue à l'économie. Mais ce qu'on peut faire, comment gérer en fait? Comment gérer ces déchets? La politique de gestion de matière et des déchets plastiques. Peut-être dans ça qu'on peut diminuer en fait, diminuer, se rattraper en quelque sorte les retards qu'on a déjà sur la pollution causée par des déchets plastiques. Je suis bédéiste, caricaturiste, peintre et designer publicitaire. Donc, j'ai fait mes études ici au Beaux-Arts il y a très longtemps. Je suis parti d'ici en 1991 et j'ai travaillé pour la presse écrite. Je travaille encore pour la presse, actualité.cd. Mais avant, je suis passé par le Phare.
le magazine Renaître, le Potentiel, Jeune Afrique, et maintenant j'alimente les sites actualité.cd. Bien, écoutez, il m'arrive souvent, enfin je ne dirais pas souvent, au moins une fois par an, on me demande de venir animer des ateliers, des échanges avec les étudiants qui s'intéressent à la bande dessinée. Vous savez, la bande dessinée, c'est une partie de la grande discipline de la communication visuelle. C'est une branche de la communication visuelle. Et généralement, on me demande de discuter, d'expliquer aux jeunes qui s'y intéressent. Et c'est la même chose qu'on m'a demandé. On m'a dit qu'il y avait ce festival et que ce serait intéressant que je discute avec les jeunes qui s'intéressent au métier de dessinateur de bande dessinée. C'est ce que j'ai fait. Donc pendant des jours, je leur ai parlé de mon expérience, comment je m'y prends, puisque c'est qu'il faut connaître qu'on est tous autodidactes au Congo. Il n'y a pas vraiment de filière où on apprend à faire de la bande dessinée. Et donc je leur ai expliqué comment je me suis formé sur le tas, comme tous les autres Congolais, quoi. Par où je suis passé pour arriver à publier des bandes dessinées au niveau local et après international. Je me dis que, comme j'ai expliqué aux étudiants hier, la bande dessinée est multiple. Il y a de la bande dessinée biographique, des fictions, des divertissements tout simplement. Il y a la bande dessinée des sensibilisations, des vulgarisations. À propos d'environnement, on peut s'appuyer vraiment sur la bande dessinée pour sensibiliser un plus large public. Parce que dans notre pays, avec le problème qu'il a, la bande dessinée constitue un des médias le plus efficace. Puisque la bande dessinée, elle peut être envoyée partout. Et elle peut être lue, puisque pour lire une bande dessinée, on a besoin que de la lumière du jour. Dès que le soleil s'élève, on peut lire une bande dessinée. Alors que le média traditionnel, c'est-à-dire la radio, la télévision, Internet, pour en jouir, il faut une forme d'énergie, ou bien des piles, ou bien l'électricité. Et ces genres d'énergie ne sont pas vraiment répandus chez nous. D'après le ministre du numérique, seuls environ 17% ont accès à Internet. L'électricité est distribuée à environ 9% des Congolais. À 50% à Kinshasa, 35% dans les grandes villes comme Lubumbashi, Kisangani, Goma, et 1% dans les milieux ruraux. Donc, quand vous voulez communiquer quelque chose, vous voulez faire passer des messages, vous pouvez atteindre difficilement un large public congolais en utilisant les médias traditionnels. Alors qu'avec la bande dessinée, si vous mettez votre message, notamment sur l'environnement, vous pouvez facilement le mettre dans des brochures, il y a des bandes dessinées explicatives, et on peut les envoyer partout. On peut utiliser, par exemple, les réseaux des églises, qui sont implantés partout. Et on est sûr de toucher un maximum de Congolais avec ça. Voilà. Non, ils me montrent leurs travaux, puisqu'ils sont presque tous déjà actifs au niveau de la bande dessinée. Et j'essaie de les conseiller, de leur expliquer ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur façon de faire. J'ai donné les généralités et je leur ai demandé de poser un maximum de questions pour essayer d'y répondre. Et depuis hier, quoi, on a lancé une espèce de TP. Donc j'ai demandé à chacun de faire une création. On n'a pas besoin de faire une très grande bande, sinon on peut faire juste une case. Donc juste une case, chercher une petite histoire. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient dessiner. On s'est mis d'accord pour que chacun dessine au choix un sujet qu'il tient à cœur. Je leur ai fait deux propositions. Je leur ai dit s'ils voulaient qu'on arrête un thème ou s'ils voulaient chacun dessiner ce qu'il veut. Et la majorité d'étudiants ont dit qu'ils voulaient chacun dessiner un thème au choix.
C'est ce qu'on a adopté. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Richard Ali, écrivain, responsable de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles. J'ai été associé à Mili Wili pour animer un atelier d'écriture. Donc, on a eu à échanger avec des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, mais aussi ceux de Bina, sur l'écriture créative. Et nous nous sommes plus basés, en tout cas, sur la nouvelle, puisque c'est un genre un peu plus particulier, c'est un récit court. Et avec le temps imparti, on a trouvé que c'était important de pouvoir communiquer en tout cas les notions de base de l'écriture de la nouvelle aux participants. Ils étaient à pratiquement plus de 15, une quinzaine, et c'était très très enrichissant. La plupart, en tout cas la majorité, c'est la première fois pour eux de découvrir ces genres littéraires-là. Donc on a commencé par le basique en tout cas, la différence entre l'écriture scientifique et l'écriture créative, et on s'est focalisé sur la nouvelle, mais aussi donc on a pris tout le temps d'exploiter en tout cas le caractéristique de ces genres littéraires. Le participant était très très attentionné, ils ont beaucoup aimé. Ils ont eu le temps aussi d'imaginer des récits courts et on a terminé avec des pitchs de 2 minutes pour des histoires qu'ils ont et qu'ils vont écrire donc pour proposer demain afin de faire une restitution. Miroir des caprices du ciel, averse parfois fait des ciels, rayonnant lorsque les nuages sont passés, il faut toutefois se méfier, exquise chaleur du brûlé. Aborder cette thématique de l'abondance en expliquant que de toute façon la littérature ça apporte beaucoup. Nous sommes ici dans l'abondance d'idées puisqu'ils avaient d'autres idées et au cours de ces échanges ils se sont encore retrouvés enrichis d'autres idées, d'autres compétences. Nous pensons en tout cas que ce sont de très très bonnes rencontres enrichissantes et l'initiative Milieu Guide devrait en tout cas ne pas s'arrêter ici. Il faudrait penser rapidement déjà à une deuxième édition et à une continuité parce que nous, pour le cas de ces jeunes auteurs encadrés aujourd'hui, il est vraiment nécessaire qu'on puisse continuer l'aventure avec eux puisqu'ils ont vraiment du talent et ça nous a beaucoup servi. Bonjour, moi c'est Hubert Mbulisi, je suis étudiante à l'Académie des Beaux-Arts, précisément en LM2D, je suis en CV et déjà aujourd'hui j'étais là à la formation pour l'écriture. Je vais apprendre beaucoup de choses sur l'écriture. Déjà que l'écriture nous aide à ressortir ce qu'on a au fond de nous. Et non seulement ça, on a aussi appris à savoir quelle est la différence entre l'écriture scientifique et l'écriture artistique, tout comme je peux le dire. Parce que là, au fond, on s'est dit, on n'est pas obligé de suivre une certaine règle, mais là, on écrit pour extérioriser cette pensée-là qu'on a. Donc on écrit pour s'exprimer et on n'est pas obligé de suivre peut-être des règles d'orthographe à suivre et tout. C'est au fait ce que j'ai appris aujourd'hui et on m'a aussi appris à faire un speech. Donc comment résumer une histoire en juste tout petit. Déjà, l'écriture est très importante pour nous personnellement en communication visuelle parce que là on nous apprend le scénario. Et si on peut faire un scénario, on doit savoir écrire. Parce que c'est dans les scénarios que nous apprenons à bien détailler les choses, à raconter une histoire et après ça, on pourra au moins passer à la réalisation par exemple d'un film ou d'une bande dessinée. Donc, pour moi, étant que communicatrice visuelle, l'écriture est très importante. Merci beaucoup pour avoir pensé à nous. Merci d'avoir pensé à nous. Vous êtes venus nous passer cette formation alors qu'on ne s'entendait pas à ça. Moi, vraiment, c'est vraiment touchant et je vous remercie encore.
Wingi, ni encore au Wingi, envoya au terme abondance en Kiswahili. D'aucuns se demanderaient pourquoi parler de l'abondance dans une initiative qui veut proposer des actions culturelles en faveur de la citoyenneté mondiale et solidarité et solidaire visant la promotion d'une société inclusive, décoloniale et durable. En effet, face aux ravages écologiques auxquels la modernité nous a conduits avec les progrès et l'innovation technologique, l'économie libérale du marché, j'en passe, parler d'abondance aujourd'hui évoque une société de consommation, voire même une société obèse. Dans cette société, le système économique et social est fondé sur la création et la stimulation systématique d'un désir de profiter des biens de consommation et des services dans des promotions, dans des proportions, je voulais dire, toujours plus importantes, autrement dit, de manière toujours plus abondante. Certes, dans cette appréhension de l'abondance matérielle, on peut dire que la prise de conscience d'un manque ou d'une pénurie de quelque chose a poussé les sociétés modernes à s'inscrire sur leur chemin d'abondance, des richesses et des plénitudes débordantes. Toutefois, si le mot abondance signifie ainsi avoir une quantité suffisante ou importante de quelque chose et suppose qu'on vive dans le bonheur et dans la stabilité du corps et de l'esprit, il y a lieu de noter que mal gérer cette abondance étouffe l'âme, crée plus d'égoïsme dans les relations humaines et cause plus de dégâts sur l'écosystème environnemental. Il faut plutôt y voir une possibilité de partage et donc d'ouverture aux autres. Une opportunité à tisser des liens originaux et respectueux avec la nature, respectueux de la faune, respectueuse de la flore. Pour y arriver, les arts en particulier et la culture en général sont les moteurs de ces projets qui se proposent d'explorer d'autres voies susceptibles de constituer de nouveaux récits du développement durable par l'abondance d'idées, de créativité qui forge des liens communs, ouvre au dialogue entre les peuples. Ainsi, à partir des arts et de la culture, ce projet a pour ambition de susciter des changements qualitatifs au sein de notre monde à mutation constante et de ce fait participer à la construction d'une citoyenneté mondiale, nourrie des récits communs pour des sociétés toujours plus ouvertes et plus durables. C'est donc là la quête de cet inattendu qui sera donc au cœur de nos 3 jours d'activité culturelle ici à Kinshasa. Alors, ici à Kinshasa, à l'Académie des Beaux-Arts et au Tarmac des Auteurs, et à Bruxelles, au Grand Hospice, et bien sûr dans d'autres écoles aussi à travers la ville. Heureux que nous soyons arrivés à ces jours après plusieurs mois de préparation et de pourparlers entre l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et l'ONG Coopération, Éducation et Culture. Je tiens ici à remercier toute l'équipe d'organisation à Bruxelles, tout comme à Kinshasa. Plus particulièrement, j'exprime ma gratitude à la directrice de l'ONG Coopération, Éducation et Culture, Madame Dominique Gilero, et Monsieur Serge, qui est ici à Kinshasa. Ainsi, un remerciement aussi particulier à Madame Prisca Tankwe, qui est la directrice. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Elle sera peut-être directrice un jour à l'Académie des Beaux-Arts.
Je voulais dire qu'il est chef de département peinture de l'Académie des Beaux-Arts et qui a travaillé à la coordination de cet événement. Pour finir, je remercie tous les intervenants dans les divers masterclass qui ont été organisés depuis ce matin et tous les panélistes qui vont devoir contribuer à cet événement, sans oublier les modérateurs et artistes qui interviendront dans nos journées et nuits de travail. Enfin, je remercie chacune et chacun de vous pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Soyez les bienvenus et passez un agréable moment de célébration de la pensée, des arts et de la culture pour rêver ensemble un monde nouveau qu'il faudra faire ensemble. Merci. Pour nous, acteurs de la coopération, c'est aussi l'opportunité d'écouter et de se nourrir de ses contributions pour être toujours plus proche des besoins, d'être innovant dans nos solutions de développement et de co-construire des partenariats plus solides et équitables. Et la Nouvelle est fière de s'inscrire dans cette dynamique, notamment à travers son programme Jeunesse Créative qui vise l'amélioration de l'épanouissement de la jeunesse et particulièrement des jeunes femmes. On est encore toujours dans le mois de mars, je vous le rappelle. Nous avons d'ailleurs le plaisir de vous annoncer le lancement aussi prochainement du projet de recherche-action dans le processus de restitution des œuvres et reconstitution à travers la culture et l'éducation. Ce sera mis en œuvre par l'ONG CECE, Ensemble Africa Museum à Terre-Mûre, en Belgique, et il a pour objectif de promouvoir l'histoire congolaise à travers l'art et le patrimoine par et pour les jeunes, en sensibilisant sur le processus à venir de restitution et reconstitution du patrimoine de la RDC. Ce projet innovant, piloté via une méthodologie de recherche-action intégrant une diversité de partenaires, saura, j'en suis sûr, faire abondance d'idées et contribuer à la réflexion de ces trois jours de rencontre. Il reste encore une fois à féliciter et à remercier les organisateurs du festival, le directeur M. Henri Kalama, Mme Dominique Gilroy à distance et M. Serge Mbata ici présent, et à vous souhaiter une excellente soirée et des journées très intéressantes et encourageantes. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est quand même très dommage qu'on n'ait pas suivi les mots de Dominique Gilero. Et il tenait à remercier de manière très spéciale Enabel pour le soutien à ses projets. Mais comme vous comprenez, la technique a ses caprices, mais on aurait pu anticiper ça. Mais voilà. J'espère qu'un jour nous pourrons avoir des événements en Afrique et en République démocratique du Congo sans pour autant déplorer les problèmes techniques. Merci beaucoup, ça c'est les mots au fait que je voulais ici appuyer de manière forte, de manière claire, les remerciements à Enabel RDC. Merci beaucoup. Transforme instantanément en vapeur brûlante
le vôtre en empare aussitôt et les entraîne dans une charabande de fantômes blancs. Gatifiko, I would even kill a swanyanya matikawa yale tumo yoli tu ya baz an na kutatu novuma iyoma. Des films mettent en scène des artistes de l'unique théâtre de Goma, détruit par une éruption volcanique en 2022. Des informations inscrites sur les corps des artistes ont été utilisées pour réveiller et ramener des souvenirs du théâtre. Près de 20 ans plus tard, une nouvelle éruption a de nouveau menacé Goma. C'est que Bernard Dalico Katombo traite dans son film Maéré, espace partagé sacré. Comment les informations archivées dans les rituels et les mémoires collectives nous permettent-elles de vivre? Un collectif d'artistes et de membres de la communauté, en soutien survécu à l'élection de mai 2021 à Goma, examinant cette question en réactivant les pratiques indigènes et en créant des nouvelles voies à partir des connaissances anciennes. Un artiste cinéaste à multiples casquettes, dont le travail s'inscrit dans une démarche ethnographique, en tant que Dalico, espace sacré, il est un gardien de la mémoire et un conteur de l'esprit par entier. Né à Goma, en RDC, la République démocratique du Congo, il est un cinéaste, éducateur, activiste écologique.